Unis pour Metz, vous le savez, c'est une liste de rassemblement entre diverses organisations. Il a su rassembler les principales forces de gauche et les écologistes. Xavier Bouvet a présenté aujourd'hui ses 55 colistiers. Composé à 80% de citoyens n'ayant encore exercé aucune responsabilité politique, la liste unie est présentée comme une liste de renouvellement politique avec une moyenne d'âge avoisinant les 45 ans. Cette liste, elle procède de toutes les rencontres qu'on a pu faire pendant ces mois de campagne, dans nos réunions publiques, sur le terrain, et des personnes qui ont souhaité donner de leur temps et de leur énergie. Et nous pensons que Metz, de 2020 à 2026, a besoin d'un nouvel élan vital. Et cet élan vital, pour nous, ne peut pas passer par les recettes du passé ou par les énergies du passé. On a besoin d'un regard neuf sur la ville, de pratiques qui soient neuves. Dans ses rangs, une grande diversité de profils, des responsables associatifs, des commerçants, des entrepreneurs, des enseignants ou des médecins, mais aussi des retraités et des étudiants. Et ça sera mon premier vrai engagement politique, donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais je souhaite continuer, travailler à côté de toute façon. Je pense que de toute façon, politique, c'est pas un métier. Il faut avoir un travail à côté pour avoir un pied dans la vie réelle, entre guillemets. Et puis toujours continuer l'engagement associatif. En fait, pas que ça soit déconnecté, que l'engagement politique ne soit pas déconnecté de ma vie de tous les jours en fait. Et une dizaine de personnalités plus expérimentées dans le jeu politique pourra aussi épauler les plus jeunes. Parmi eux, des conseillers municipaux adjoints ou ex-adjoints au maire actuel, tels que l'urgentiste humanitaire Raphaël Pitti. Ici à Metz, nous avons réussi ce tour de force, c'est-à-dire de réunir toutes les forces progressistes, toutes les forces de solidarité pour que nous puissions nous préparer, nous adapter à ce changement climatique. Et donc c'était évident que je devais rejoindre la liste de Xavier Bouvet. Ce sont des jeunes engagés, enthousiastes. Le 21e siècle, c'est leur monde à eux et il est normal que ce soit eux qui prennent aujourd'hui les responsabilités et il faut qu'ils soient appuyés par des gens expérimentés. Xavier Bouvet a aussi annoncé exclure toute possibilité d'alliance au second tour avec La République En Marche afin de préserver l'intégrité et la cohérence de son programme.